Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite partie avec l'extension de Discordia, Discordia Magna que j'ai depuis le mois de février parce que je l'avais récupéré à Cannes. L'extension est sortie, je crois, en même temps que le jeu qui est édité par Silex, mais en version originale par Iron Games. C'est un jeu de Bernd Enzein et éduqué par Likas Sigmund. Ça rajoute deux contenus des plateaux asymétriques et le module Magna qui, lui, n'est pas jouable en solo. Cette extension se procure uniquement sur le site internet de Iron Games, mais il y a bien la version française dedans. Je fais une petite partie avec cette extension parce que j'ai besoin de me prouver que je ne suis pas incompétent. Parce que j'ai fait une partie multijoueur dans un tournoi, dans une rencontre interludique, il y a quelques jours et j'ai fait une partie toute moisie alors que je m'étais entraîné. Donc, eh bien on va tester cette extension ensemble. La partie est en fin de vidéo. Mon avis sur le jeu, comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour une petite partie de Discordia. On va prendre notre revanche, je pense que vous l'avez entendu dans l'introduction, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, vous savez que j'ai fait une partie extrêmement mauvaise lors d'une rencontre interludique et du coup je dois me venger, je dois me montrer que je suis capable de quelque chose. Donc on va jouer avec l'extension, l'extension qui rajoute juste finalement pour le solo eh bien, euh, des plateaux, six plateaux avec finalement des répartitions un peu différentes de d'habitude. Ça c'est un plateau normal, vous voyez que les tuiles de départ sont comme ça, là on a exactement les mêmes tuiles que de, de départ, par contre les bonus sont pas exactement les mêmes. Vous voyez qu'ici, là, il y a un petit bonhomme qui n'est pas ici. Là, il n'y a pas d'étoile or claire, il y en a une. Et puis, la répartition des pouvoirs sont un peu différents. Ils ne sont pas exactement les mêmes, que ce soit pour la piste d'amélioration ou également pour la piste euh, d'expédition. Et puis, également, là, sur les bonus liés au euh, décret. Je n'ai jamais utilisé ce plateau. C'est la première fois. J'ai fait euh, quatre parties juste avant avec les autres plateaux. Il y a six plateaux, donc il reste un autre que je n'ai pas testé après celui-ci. Les règles de Discordia n'ont pas changé, ce sont exactement les mêmes. Il y a déjà une première vidéo qui était d'ailleurs euh, plutôt qualitative parce que je m'étais rajouté des petits bâtons dans les roues et j'avais quand même gagné. Donc si jamais vous trouvez que cette partie n'est pas assez claire, eh n'hésitez pas à aller voir cette, euh, cette première vidéo qui a pas mal de vues et donc euh, vous retrouverez assez facilement en tapant Discordia Zogma. Le but du jeu, c'est de, avant la fin de la quatrième année, parce qu'on va jouer quatre années, s'être débarrassé de nos 15 personnages. 15 meeples que l'on va tirer tout de suite. Hein, je les ai tirés dans ce petit sac. D'ailleurs, une répartition pas ultra euh, homogène, mais on va devoir se débrouiller avec, c'est le jeu. Sur le plateau, il y a une partie ville, une partie amélioration, une partie expédition. Il y a un plateau où on va pouvoir récupérer des choses. Chaque tour, chaque manche, chaque année, en fait, parce qu'on va jouer quatre années, se déroule en cinq saisons. Parce que automne, euh, printemps-été, automne-hiver, entre l'automne et l'hiver, je crois qu'il y a les saturnales, ou peut-être que c'est entre le printemps et l'automne, je ne sais plus. Mais du coup, à l'époque des Romains, il y avait cinq saisons. Donc, c'est ce que l'on va jouer. On a placé des tuiles ici aléatoirement. Et puis, ces tuiles-là qui vont nous donner des actions vont être tirées aléatoirement. Comment ça se passe On va expliquer en jouant ça sera plus simple. Avant, au début de la partie, on va avoir le droit de choisir une de ces tuiles-là. Je choisis celle que je veux. Et bien, moi, je vous explique tout de suite que je vais choisir celle militaire. C'est une tuile rouge ça va forcément sur un terrain rouge. Je ne peux pas le poser là il n'y a pas de terrain. Je suis obligé de le poser là. Je suis d'ailleurs toujours obligé de poser le plus à gauche s'il y a une zone vide. Donc là, je le pose là. Ça fait qu'il y a des trous. Il y a trois, trois zones de trous avec un 5. On y reviendra en cours de la partie. Mais surtout, directement, je gagne ce bonus-là. Je peux faire une expédition. Une expédition, c'est progresser sur cette piste-là, sous réserve que j'ai une étoile, parce qu'il faut une étoile, et je commence avec 6 étoiles, et je la place, et je gagne le bonus. On commence tout de suite, on commence toujours vers le bas, et on monte progressivement. Bon, le premier bonus, il n'y a rien, mais on progresse un petit peu. Voilà, c'est la mise en place. Euh, on fait tout ça si on a à plusieurs, et voilà. On ne remplit pas. On va donc commencer, on va jouer contre Janus, qui est ce petit automate qui va jouer avec les tuiles, qui va finalement m'empêcher de faire ce que je veux, qui va défausser certaines choses. On lance les dés, le 6 va sur le 6, le 2 va sur le 2, le 5 va sur le 5. Tout de suite c'est au tour de Janus, on tire la première tuile, ça nous dit qu'il défausse le dé jaune, donc je ne pourrais pas le choisir, il défausse la tuile qui est en dessous du dé jaune et toujours celle qui est la plus basse, donc celle-là, hop, elle vire, et ça commence bien, il commence à nous retirer un décret. Les décrets ce sont ces bonus là. Si à un instant T on valide les prérequis, on le prend et on vient le mettre sur un autre plateau et du coup, on valide des bonus. Ici, je récupère une étoile et je repiocherai un ouvrier de moins à la fin du tour. Ici, je fais un déploiement, ici une amélioration, ici une amélioration et je remets deux ouvriers dans le sac. Donc il retire un décret, il ne retire pas n'importe quel décret, il retire toujours, en fait on est censé les mettre en colonne, et il va toujours retirer ce qu'il y a le plus en bas. Moi j'ai décidé de les mettre de gauche à droite, il va retirer donc celui le plus à gauche, mais c'est l'équivalent du plus bas. On n'aime pas trop qu'il nous retire les décrets parce que ça fait quand même des sacrés bonus, mais écoutez, hein, on fait comme on peut. C'est donc à moi de choisir, je peux choisir le 5 ou le 6, mais j'ai un petit bonus, une fois par année, hop, je peux faire un plus 1 ou un moins 1, sachant que je peux avoir d'autres tokens comme ça pour avoir plus de potentialité. Quand je prends un dé, si je prends le dé en dessous du petit navire, vous voyez qu'ici, il y a un petit navire pour dire qu'on est à la première manche de la saison, à chaque manche, hop, ça va progresser. Bah, si je prends un dé qui est en dessous du petit navire, je gagne le bonus là. Bon, bah, là, c'est pas possible. Le 6 peut se transformer en 5, mais un 6, si je fais plus 1, ça ne se transforme pas en 1. Ça reste en 6. Donc, je n'ai aucun moyen d'aller chercher ce bonus. Donc, soit je prends le 5, soit je prends le 6. Et ensuite, j'ai le droit à une des actions qui est en dessous. Soit... Je fais une amélioration. Sur le 5, je ne peux pas le faire au début, vous voyez que c'est en porte-parenthèse, il faut avoir débloqué ce bonus-là d'amélioration. Soit un petit coup de pelle, c'est faire une extension finalement. Une extension, c'est aller prendre une tuile de marché, une tuile de port, une tuile de caserne ou une tuile de champ pour le mettre à gauche. Et recouvrir éventuellement des bonus ou des malus. Et aussi tout simplement avoir une place pour pouvoir mettre des bâtiments. Parce que sur un bâtiment, je vous ai dit, il faut qu'il y ait forcément ça. Ici c'est gagner des étoiles et il y a un stock limité d'étoiles. Ici c'est faire un déploiement, c'est-à-dire que je peux aller mettre des bonhommes sur une de mes tuiles, en l'occurrence bleue, en respectant la condition. Donc ici un déploiement militaire, et eh bien je peux aller mettre, remplir la première case d'une des tuiles. Donc si celle-là est vide, c'est un comme ça. Si celle-là il y avait déjà de ça dessus, la prochaine case, vous voyez que c'est deux. Donc là, je choisis. Et ensuite, je peux prendre un des bâtiments, ou je peux prendre, c'est exclusif, hein, ça, 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 ou un des bâtiments qui est en dessous. Et ensuite, et je dis ensuite, mais en fait on fait dans l'ordre qu'on veut, on peut faire un déploiement spécial. Déploiement spécial, c'est que si la couleur du dé et la valeur du dé correspond à une tuile, et en l'occurrence l'exemple est beaucoup plus parlant si je prends le 5, et eh bien je peux gratuitement, en plus de mon action principale, et eh bien déployer sur une tuile rouge 5. Les tuiles blanches, les tuiles de marché, eh il n'y a pas de dé blanc, vous voyez, il y a un dé jaune, un dé bleu et un dé rouge, donc je peux le faire si ça, si ça respecte la valeur. Et eh bien donc c'est ce que je vais faire. Je vais choisir ce des 5 rouges. Je vais tout de suite faire mon déploiement spécial. Donc 5 rouges, c'est ici. Je peux mettre un petit bonhomme. Et ensuite, mon action. Et eh ben moi, je vais creuser. Je vais creuser, je vais creuser ici au niveau de la ferme. Comme ça, ça me permet de recouvrir ceci et de pouvoir du coup faire une amélioration. Hop là. Maintenant, je pourrais faire l'action d'amélioration sur la pile 5. Et je recouvre ça. Je piocherai un bonhomme de moins parce qu'à la fin de l'année... Quand on aura fait les cinq saisons, on va d'abord affronter les barbares. On a des tuiles, une face cachée, une face visible. À partir de la quatrième manche, on révélera celle qui est face cachée. Et si, à la fin du combat, à la fin de l'année pardon, on a suffisamment de puissance militaire pour égaler ou dépasser la somme des deux, on gagne le bonus de la tuile B. Si on ne bat pas, on prend le malus de la tuile A. Comment on regarde notre puissance militaire et ben on va compter nos meeples placés sur les tuiles rouges qui sont complètes. Là, pour l'instant, j'ai zéro de puissance militaire, il faut qu'elle soit complète. Et donc, si elle est complète, comme il y a 1, 2, 3, 4 dessins de Meeple, j'aurai 4 Meeple dessus, j'aurai 4 de puissance. Ensuite, je vais vider le marché, en tout cas le recompléter, je vais réactiver ça. Et surtout, on va repiocher des Meeple. On va jouer à chaque fois des Meeple, mais on va repiocher. Comment je vais repiocher Pour chaque icône comme ça qui n'est pas recouverte, je pioche un Meeple. Pour l'instant, je pioche une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, ça compte. 12, 13, 14, moins une soustraction, si on avance sur cet du là avec ces icônes là, donc on a sur les tuiles, et eh ben on soustrait. Pour l'instant c'est pas possible, donc je sais plus si j'ai dit 14 ou 15, mais je repioche 14 nipples à la fin de l'année. Le but étant de se débarrasser, donc d'essayer de trouver comment bloquer ces emplacements, donc faire des actions, faire des bonus pour qu'avec une seule action j'en fasse plusieurs patati patata et que ça combatte un petit peu partout et que j'arrive à virer tous mes, tous mes personnages. En moyenne, je gagne une partie sur 3. Donc, c'est pas dit que je la gagne, mais euh, au moins avoir 5-6 meeples à la fin, c'est bien ne pas finir avec un, un nombre démesuré. Voilà, donc c'est la fin de mon tour, j'ai fait mes actions. Bien sûr, si la tuile est complète, à la fin de l'année, après avoir repioché, on les remet dans le sac. Hein. Comme ça, ça libère les emplacements. On a certains bonus, vous voyez ici. Ils vont être assez difficiles à les récupérer, ceux-là avec ce plateau-là, de ce que je vois. Normalement, sur les plateaux de base, quand on a fait 4 coups de pelle, on gagne un privilège. C'est une tuile comme ça, qui est utilisable quand on veut. Et euh, pour 6 coups de pelle, on gagne le deuxième privilège. Là, c'est 5 et 7, donc il va falloir mettre pas mal de coups de pelle. Les privilèges, bah, soit quand on le veut, on gagne une amélioration et un, une avancée sur l'aqueduc soit les ouvriers blancs deviennent des jokers, soit les ouvriers jaunes deviennent des jokers ad vitam aeternam, soit on fait un déploiement et on gagne 2 étoiles. Et donc là, les décrets, ce sont des bonus, je vous ai dit, que je débloque à l'instant où je fais ça. Donc si, au bout de ma sixième LME, au bout de ma sixième amélioration, je gagne ça. Donc, plateau complété. Sixième expédition complétée. Si j'ai euh, deux terrains de construction, enfin deux coups de pelle quoi, sur euh, deux zones différentes, donc 2 plus 2 je le prends et là c'est si j'ai au moins 9 mipples, mais il faut qu'ils soient 9 euh, mipples sur le plateau, mais il faut qu'ils occupent les quatre types. Hein, c'est c'est pas 9 sur par exemple euh, le militaire ou quoi, c'est il faut qu'il y en ait au moins un sur chaque type et donc 9 en tout. Ok, fin de mon tour, on avance. Hop, on relance les dés. Il y a quelques subtilités que je ne vous ai pas encore expliquées, mais on les verra en cours de route. Ne soyons pas pressés. Un Janus. Janus, il retire le bleu et donc la tuile qui est en dessous dans la même colonne. Et il va nous retirer une étoile. Sachant s'il n'y a plus d'étoiles qu'on ne peut plus en récupérer, bah on ne fait plus d'amélioration, tout simplement. À moi, donc, toujours pas possible d'aller récupérer ce bonus-là, manifestement. C'est un peu greedy de l'utiliser tout de suite, mais je vais utiliser le plus 1-1 pour que le 6 rouge devienne un 5 rouge. Donc, je le prends. Je vais faire une amélioration. J'ai des étoiles donc je fais une amélioration ce qui me permet de me débloquer un avant-poste, soit un avant-poste de commerce soit un, une tour de combat. Je vais plutôt faire du combat et donc ben euh, ça va me permettre d'augmenter ma puissance militaire si j'ai la case remplie à la fin du tour. Soit bah ben là il faut y a pas de valeur, ça veut dire qu'il faut que je fasse un déploiement comme ça, rouge, soit là il y a des valeurs, 5 3, bah ben, vous l'avez bien compris, c'est un 5 rouge, je vais prendre ceci. Pour les placer, il faut que j'ai un emplacement, c'est-à-dire il faut que j'ai un port. Donc là j'ai un port, donc je peux le mettre. Ici il n'y a pas encore de port, il n'y a que de la rivière. Donc si je veux, enfin que de la mer, si je veux placer un avant-poste, il faudra que j'achète cette huile de terrain-là. Vous voyez, elles sont bien faites, il y a des petites courbures, on se trompe pas. Donc ça, c'était mon amélioration, c'était mon action euh, principale. Maintenant, je peux faire des déploiements spéciaux, tout partout c'est rouge. Malheureusement, comme je n'ai pas bien regardé, mais c'est pas grave, Eh ben... Hop, là je peux en mettre deux. Là, c'est un 5 rouge. Je peux mettre qu'un bonhomme rouge. Or, j'ai plus de bonhomme rouge. Tant pis. Donc, je l'ai pris, mais je ne peux pas le remplir. Bon, j'aurais pris celui-là ou un autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. De toute façon, je ne pouvais quand même pas le remplir. Quand je l'ai gagné, j'ai gagné ce bonus d'expédition. Donc, je reprends une étoile et je fais une expédition. Le petit dessin-là me dit que je peux reprendre un de mes bonhommes. Et ça va être un bonhomme, allez, blanc, que je remets dans le sac. Voilà. Fin du tour. Hop, on reprend tout, on relance. 4, 4 et 1. Janus, il va nous défausser le jaune. Avec du coup euh, la tuile qui va en dessous. Et il va nous retirer le privilège le plus à gauche. Donc il me reste le 1 et le 4. Moi je vais prendre plutôt le 1. Ça va matcher avec rien. Je ne vais faire aucun déploiement spécial. Mais c'est pas grave. Mais je vais donner un coup de pelle. J'aime bien pelleter rapidement. Et en l'occurrence on va pelleter ici. Comme ça, ça cache l'icône de repiocher. Et ça me permet d'aller mettre éventuellement un deuxième avant-poste. Là, on passe au quatrième, à la quatrième manche du tour. Donc on révèle le barbare. Donc il va falloir que j'ai trois de puissance militaire pour les battre. Donc si je remplis ça, c'est bon. Et le bonus, ça sera de gagner une expédition. Si je perds, eh ben, je défausserai une tuile euh, marché ou une tuile port si j'en ai une. Pour l'instant, j'en ai pas. Et puis surtout, on remplit les trous. Voilà. On relance les dés. 6, 6 et 4. Et Janus va nous défausser le dé jaune avec la tuile la plus en bas. Et l'icône-là, on ne l'avait pas encore vu. Il va nous défausser un des champs, sachant qu'il n'y a que trois tuiles par type de terrain. Donc si on n'a plus, à bout d'un moment, ben, on est coincé. Écoutez, je vais prendre le 6. Je vais faire encore une action d'amélioration. Ce qui me permet de gagner un deuxième jeton plus un moins un. Ça, c'est cool. Et de faire un coup de pelle gratuit, et eh bien le coup de pelle gratuit, ça va être un deuxième port, comme ça je recouvre encore une icône et je gagne une étoile. Du coup, maintenant j'ai deux ports. Si jamais j'arrive à faire un deuxième champ, et eh ben j'aurai euh, ce bonus-là de valider. Ça, c'était mon action principale. Je ne fais pas de déploiements spéciaux avec le 6 bleu. Euh, C'est bien dommage. Dernier tour, et il faut à tout prix que je remplisse. Ici, sinon je ne pourrais pas affronter les barbares. Quoique, si je n'affronte pas les barbares, c'est pas grave, je ne perdrai rien, mais je gagnerai pas le bonus. Ça serait un peu dommage. Allez, 5, 5 et 4, je crois que ça tombe plutôt bien. Et il me défausse le bleu, donc pour le coup, alors c'est très bien tombé. Et une place, c'est très bien tombé parce que du coup, je vais prendre le 5. Déjà, je fais, je suis à l'endroit où il y a le petit bateau, donc je peux valider ça, c'est-à-dire que cette icône-là. Il y a des petites flèches et deux, c'est-à-dire que je pioche deux bonhommes. Et maintenant je choisis, je dois en remettre deux. Donc je vais garder le rouge. Et écoutez, on va remettre un blanc. Il faut que j'en remette deux de toute façon. Donc un blanc et un deuxième blanc. Je fais tout de suite mon déploiement spécial. Ici, ce n'est pas un bonhomme rouge, c'est un bonhomme gris, ça veut dire que je choisis la couleur. Je vais mettre un bleu. Et ensuite, je choisis mon bonus. Mon bonus à moi, même si ça n'est pas très utile, avant de me faire coincer, je vais faire un coup de pelle. Le coup de pelle, ça sera de refaire un champ. Je peux le mettre en dehors du plateau, aucun souci. En vrai, je ne le remplirai jamais, ce champ. Mais ça m'en fait deux et deux. Donc je prends ce privilège, ce décret, partons. Et du coup, je viens le mettre ici, ce qui fait que je regagne une étoile. Et surtout, je piocherai un bonhomme de moins. Sachant que c'était la dernière jaune, si jamais au prochain tour il me défaussait le jaune, bah, j'étais un petit peu coincé, je ne faisais plus rien. Quoi. Enfin, je faisais plus rien, je ne pouvais plus... Enfin, c'était plus difficile d'aller remplir ce décret. Voilà. C'est terminé, on va, poser, on va passer à la phase de barbare. Donc il a 3 de puissance et moi j'ai cette tuile là qui est remplie avec 1, 2, 3, 4. J'ai donc 4 de puissance. Je bats les barbares, l'invasion barbare, donc je gagne ce bonus. Hop, ici. Et ça c'est quoi cette icône C'est que je choisis la tuile de mon choix. La tuile de mon choix, et eh ben écoutez, ça va être euh, celle-ci, une petite blanche qui va aller juste là, elle me fait avancer d'un sur la duc. donc je piocherai un de moins. En l'occurrence, ici, il n'y avait pas de bonhomme, donc cette tuile vide, je ne personne. Et ici, du coup, il y a une tuile vide, enfin une zone vide, donc je piocherai comme un donc finalement ça annule le malus, mais ça ne changerait rien pour ce tour-ci. Mais si je veux aller vider quelques blancs, il hein, faut bien que j'ai quelques petites zones à placer. Ensuite, bah, on a fait la bataille, hop, on peut déjà révéler le prochain, mais le B, lui, il est face cachée. On va compter combien on repioche. Ici, il n'y en a pas de visible, ici il y en a 1, 2, 3, 4, parce que c'est vide, 5. Ici c'est plein. 6, 7, 8, 9, 10, 10 moins 1, je repioche. 9 meeple 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Donc plein de rouge. Hop. Mais ça ne me dérange pas. Moi j'aime bien faire la guerre parce que la guerre, ça permet d'affronter les barbares et du coup de ne pas avoir de malus et en plus d'avoir de bonus. Donc c'est bien. Ça m'arrange. Et du coup, les tuiles qui sont pleines, et eh ben on les vide. Hop là. Il nous reste une petite chose à faire, c'est vider tout ce qui assure la rangée supérieure. On fait un petit peu de tri, on remonte tout ça, et puis on va pouvoir remplir et commencer la deuxième des, des quatre années. Pardon. Alors il y a une chose qui est fortement probable dans cette partie, c'est que j'aille bosser avant la fin et que ça me sorte un petit peu de la partie. Donc on verra bien. <laughs> en espérant la finir avant. Allez, c'est parti. Le 2, le 1, le 3, Janus commencera toute la partie. Et donc lui, il défausse tout simplement un jetons, plus un moins un. Ce qui peut être des fois embêtant parce qu'il y a un décret qui joue avec. Mais du coup, il ne va pas défausser de Donc là, je serai un peu tranquille. Un peu tranquille et ça me va bien. Ça me va bien, ça me va bien. Parce que du coup, si on réfléchit sereinement quelques secondes, je vais aller prendre le 1 là. C'est sûr. Comme ça, déjà, j'ai le petit bonus, je peux faire une expédition. Qui me donne une étoile et un petit coup de pelle gratuit. Et bien, bah, le petit coup de pelle, ça va être. Euh, allez. Ça va être ça, du militaire. Alors ça me fait piocher un de plus, le militaire, mais on va essayer de le remplir, de, de mettre autre chose dessus. Et soit je peux redonner un coup de pioche, soit faire un déploiement. Pourquoi pas Comme ça je m'assure un petit point de, de puissance, mais non. On va plutôt aller chercher une tuile ici, et on va aller prendre un peu de, de ferme. Hop, voilà. Je pourrais mettre des 3 et des 4. J'ai un déploiement spécial ici, un blanc. Hop là, deuxième partie. 5, 5, et mince, ben c'était un 1, je l'ai bougé. Janus défausse le bleu avec du coup la tuile là. Et il va défausser un port, mais j'en avais pas besoin, je ne comptais pas en faire plus. Donc ça ne me dérange pas. Alors le 5, alors ça, il faut que je le remette à 0 hein, entre chaque tour. Ok, ok, ok. Alors ben, je vais prendre le 5. Où je vais faire un moins 1. Comme ça, ça devient un 4. Un 4 jaune. Ce qui fait que je vais prendre la tuile blanche là. Et avec ce 4 jaune, bah je peux remplir la blanche là, parce qu'il y a un 4. En plus, quand je l'ai posé, j'avançais de 1 sur l'acduque. Et ici, c'est du 4 jaune, je peux en poser 1. Et c'est tout. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Euh, D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'était 1, 2, 3, 4, 5 coups de pioche. Donc j'avais le droit de gagner un petit privilège. Et on va pas se gêner, on va prendre ce privilège-là. Ce privilège-là. Non, pas tout de suite. On n'est pas pressé. On va prendre plutôt ce privilège-là. Et on va l'utiliser maintenant. Ce qui fait que je pioche deux étoiles et je peux faire un déploiement. Et bah ben, je vais déployer tout de suite. Comme ça, je ne me pose pas de questions. Ici, sur les trois. Sur le quatre jaune. Hop, j'en pose trois. Nickel. Comme ça, je me suis débarrassé de pas mal de jaunes. Hop alors, 3, 5. Oh, il ne faut pas que le 5 rouge soit défaussé. Ok, parfait. Il supprime une étoile, donc il en reste plus que 3. Hein, donc on ne va pas pouvoir faire des masses d'amélioration. Et sur tout ça, à la fin du tour, il remélangera toutes les tuiles. Et donc moi, bah, parfait, je prends le 5 rouge. Je fais déjà mes déploiements spéciaux. Donc un rouge ici et un rouge là. Et je vais, je pense, faire une amélioration. Hop là. Cette amélioration-là fait que j'avance d'un sur l'acduc. Donc maintenant je pioche moins 2 peuple Et surtout maintenant, les déploiements spéciaux, je peux les faire aussi sur les tuiles bleues. C'est-à-dire que si j'ai un 5 rouge, eh ben, je peux le faire sur les 5 rouges et sur les 5 blancs. Mais maintenant aussi sur les 5 bleus. Comme j'ai pas de tuiles bleues et que j'en ai quasiment jamais, j'achète quasiment jamais les tuiles bleues, ça change pas grand-chose, mais en tout cas, bah. Euh, en tout cas, bah, il est là. Ok. Allez, bah fin du tour. Hop, quatrième manche. Deux, trois. Et 6 et Janus, il supprime et bah le 6 avec ça et une ferme mais il n'y en a plus. D'ailleurs, c'était la quatrième manche, donc on révèle les barbares et euh, on remplit. On ne remplit pas la dernière parce que c'est celle qui l'a défaussée. Donc là, du coup, pour la bagarre, <laughs> il faudra 3 euh, de puissance et pour l'instant j'ai 1. Donc il faut quand même que j'essaie de remplir ça. Ça peut être euh, très très très... Euh, c'est important. C'est très important. A noter que là j'ai 8 Mipples sur 3 types et il en faut 9 sur 4 types. Donc si j'arrive à mettre un nipple sur une zone bleue, je valide ce décret. Ce qui me permet d'aller faire un déploiement. Donc il y a peut-être une idée là-dessus. Après ça va pas être si facile que ça de le remplir sur ce tour-ci, sur cette manche. Et là c'est chaud, hein. c'est que je repioche 4 Mipples. Donc il faut absolument que j'aille faire ce déploiement. Donc écoutez, je vais utiliser un plus un moins 1. Pour transformer le 2 rouge en 1 rouge. Euh je ne vais pas prendre de tuiles, je vais faire le déploiement militaire ici pour mettre deux rouges en 5. Et je n'ai pas d'autre déploiement. Dernière phase de cette année. J'ai perdu un dé, un dé jaune. Le dé jaune, il est où Ah, je l'avais sorti totalement. Ok. 2, 4 et 2. Janus, il nous retire le bleu et une tuile de marché. Ok, là si je veux faire un déploiement spécial, je n'ai pas, pas le choix, je prends le 4 jaune. Ça me bloque un peu dans, dans mes tours, dans mes actions, mais je n'ai pas tant de, de personnages que ça, donc ça va. Je vais prendre donc le 4 jaune et je fais un déploiement spécial ici, je vais mettre un bleu. Hop pas de, j'ai rien d'autre hein, parce que j'ai tout, tout rempli au niveau de mes trucs, donc c'est bon. Phase de barbare, est-ce que j'ai au moins 3 d'attaque ben, J'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bon. Mon bonus, c'est que je peux faire un déploiement. Sauf que j'ai aucune case où je peux faire un déploiement, mais je préfère ça, ne pas avoir ce bonus que repiocher 4000 balles, évidemment. Combien je pioche du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 2, je ne repioche que 5. Honnêtement, je ne suis pas trop mal. Hein. Hop, 3 blancs, 1 bleu, on n'est qu'à la moitié de la partie. Ça se passe bien. Hop, on remet tous les petits bonhommes là dans le sac et on va mettre prochaine on va préparer la prochaine année on défausse tout ça on redresse et on remplit ok allez euh, nouvelle année hop 1 4 et 5 et janus il nous fait quoi il nous retire le jaune avec ça et il nous retire hum, il nous retire un décret celui ci celui d'avoir 6 améliorations Dommage parce que celui-là, je pensais le faire dans cette partie. J'avais déjà quatre améliorations. Bien. Bon, bah qu'est-ce que je choisis moi Si je prends le 1 rouge, euh, c'est pas mal, je pense. C'est fortement pas mal. Et euh, est-ce que je fais un petit coup de pelle Une, deux. Ouais, 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 ouais. C'est ça, je vais prendre le 1 rouge. Un rouge, je vais déjà faire mes deux déploiements spéciaux sur les 1 blancs. Hop, comme ça, j'y pense. Ensuite, bah, j'ai pris là où il y a le bateau, je peux prendre. Une expédition. Je peux avancer du coup de 2 au niveau de l'aqueduc. Et ensuite, mon action principale. J'hésite entre donner un petit coup de pioche, un petit coup de pelle, pour débloquer une autre euh, expédition, ou aller euh, récupérer une tuile. Non, les tuiles, je peux pas, c'est de la, de la, du blanc et c'est déjà plein. Je peux aller euh, faire un petit coup de, de déploiement militaire. Parce que là, maintenant, il va falloir commencer à faire quand même, à saucer un petit peu niveau, niveau puissance. Non, je vais faire quand même le coup de pelle. Coup de pelle ici. Donc je repiocherai un de moins, mais finalement je piocherai tout pareil. Donc ça ne change rien, mais par contre j'ai une expédition. Hop là. Je gagne le dernier plus un moins un, et d'ailleurs c'est là. Je pouvais les, les remettre à zéro. Hein. Et je gagne le, euh, le privilège de mon choix. Alors du coup, je vais clairement pas prendre celui-ci, parce que celui-ci me permet de faire une expédition, mais pour avoir une expédition, il faut avoir... Récupérer cette tuile, une tuile comme ça pour étendre notre, notre pouvoir d'exploration. Ce sont les tuiles là, je peux les acheter quand je fais un petit coup de pelle. Hein. J'aurais pu le faire d'ailleurs au lieu de prendre celui-là, mais je voulais avoir le bonus. Euh, sachant que cette tuile là, quand c'est l'usage unique, je ne suis pas obligé de l'utiliser maintenant, mais je ne suis pas sûr d'aller chercher forcément ça. Donc je vais aller chercher un de ces trucs là. Ça, ce sont les jaunes deviennent des jokers, les blancs deviennent des jokers. Bon, on va prendre le blanc. Le blanc est un joker, ça va peut-être pouvoir m'aider. Je vais le mettre. Euh Allez, ici pour me rappeler, non même pas, je vais le laisser ici. Je, rappelle que, je me rappelle que ça, je l'ai débloqué. Par contre, maintenant, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien fait 6 explorations. Donc, je recouvre ça et j'ai le droit à un déploiement immédiat. Et on va assurer le coup, on va se mettre ici sur le 5 jaune. Euh, rouge, pardon. Ok. 1, 3, 3. 4. Janus retire le jaune avec ça et le privilège plus à gauche. Bon voilà, celui-là, je ne le récupérerai pas. La messe est dite. Mais c'est pas grave. Ça m'embête un peu, c'est que j'ai plein de bleus, J'aurais bien aimé avoir le, la tuile avec les bleus ce sont des jokers, parce que là, je ne sais pas trop quoi en foutre. Ils vont me coincer, ceux-là. Il faut que j'arrive à récupérer du bleu. Hein. Ils vont vraiment me coincer. Là je peux en, mettre, en supprimer un par tour, mais, euh, mais il me reste enfin, par année, mais il me reste plus que deux années. Quoi, donc euh, Compliqué. Il faut forcément que j'achète un truc comme ça. Ça m'embête un peu quand même en vrai. Sachant que j'ai comme ça qui font que maintenant je peux faire des, euh, des déploiements spéciaux, quelle que soit la couleur sur le bleu, du moins que la valeur est bonne. Donc ça, c'est à s'en rappeler. Hum, Qu'est-ce que je prends Qu'est-ce que je prends Bon, écoutez, je vais utiliser un plus un moins un. Je vais, transformer ça, je vais transformer ça en deux. Donc je suis là. Je suis au même endroit que le bateau, donc je gagne un point sur l'Acduc et puis je vais prendre cette tuile là hein. J'ai besoin d'évacuer les bleus, ils vont me coincer. Ils vont vraiment me coincer et voilà. Donc j'ai pas le choix. C'est euh, la fin du tour. Ouais, j'ai pas pensé que j'avais ces bleus-là qui m'ont kiquiné. Hein. J'en ai beaucoup. Il y a des moyens d'aller les virer hein, et d'en repiocher d'autres. Notamment avec ce bonus-là qui permet de piocher deux dans le sac et de repiocher. Si je suis au, au maximum de duc, Et euh, avec euh, ce genre de choses-là. On va peut-être aller chercher s'il y a un 3 qui sort. Non, il n'y a pas de 3 qui sort, mais on peut peut-être s'en sortir. Janus, il supprime le bleu, le bas justement l'avant-poste commercial le plus bas. Et, euh, et bah, du coup, cette tuile-là. Ou j'avais déjà retiré une tuile. Non, c'est bon. Oui, il me reste le 4 rouge et le 4 jaune. 4 jaune, ça pourrait matcher avec ça. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais le transformer le 4 jaune en 3 jaunes. En faisant un plus 1, moins 1, en l'occurrence. Donc, je suis au même endroit que le bateau. Donc, je peux prendre un avoir poste commercial. Je vais du coup prendre ça, celui-ci, que je peux mettre. Tout de suite, pardon. Je gagne 2, 1, 2 sur duc. Et maintenant, dès que j'ai un 3, et c'est un 3, je peux faire des échanges. On va tout de suite le faire d'ailleurs. On va piocher 4 dans le sac. Si ça vous semble un peu flou, hein, que je vais un peu trop vite, euh, n'hésitez pas à aller regarder mon autre vidéo. Voilà, j'ai du coup. Un blanc, un jaune et deux rouges et à la place je vais remettre quatre bleus dans le sac. Quoique non pas quatre bleus parce que je viens d'acheter un truc pour du bleu. Je vais remettre deux bleus dans le sac. Non trois bleus dans le sac et un blanc dans le sac. Non le, les blancs sont des jokers en fait. C'est ça. Hein je l'ai où Les blancs sont des jokers donc j'ai aucune raison de jeter des blancs donc j'ai je jeté quatre bleus. Ouais. Parce que les blancs je peux les mettre finalement n'importe où. Ok. Ça c'était le bonus de l'avant-poste et ça. Maintenant, il faut que je fasse une de ces actions-là. Je ne vais pas acheter de bâtiment. Est-ce que je prends une étoile Non. Je vais aller remplir le jaune. Bah ben non, même ben, si. Si, si. Je euh, remplis le jaune. Déjà, je fais mon déploiement spécial. Je remplis le jaune ici. Trois jaunes. On se rappelle que maintenant, je peux faire des déploiements spéciaux sur les zones bleues si c'est la bonne valeur. Donc je vais aussi déployer un ici. Et je fais cette action ici de déploiement sur du jaune. J'en mets trois, une, et je peux mettre deux blancs, parce que grâce à cette huile, on l'a dit, les blancs sont des jokers, remplacent tout. Voilà, j'en ai plus que cinq. C'est pas mal. C'est pas gagné, hein, parce que là, j'ai pas de quoi mettre cinq bonhommes. Euh, Quoique, oh, si je fais du cinq rouge, euh, cinq rouges de l'enfer, non. Mais presque, 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 presque. Hop, il faut juste pas qu'il me vire le, le, le bonhomme, le, le dé rouge. En tout cas, on est à la quatrième manche, donc on remplit et on révèle les barbares. Okay. Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous vire Janus Il nous vire une étoile, le dé bleu. Euh, et puis c'est déjà pas mal. Et bah du coup, euh, bah, c'est formidable ça. C'est formidable. Je fais un plus un, moins 1 pour que le 4 rouge devienne un 5 rouge. Hop. Je vais déjà faire mes déploiements sur les rouges. Donc 5 rouges ici. 5 rouges ici. Il ne reste plus que deux bonhommes. Deux bonhommes, euh, deux bonhommes, ou deux bonhommes. Et en plus, c'est pas terminé. Mais bon, bref. Euh, je vais prendre, euh, donc synchro, je vais prendre cette tuile-là, que je mets là. Du coup, j'ai toujours un déploiement spécial. Parce que c'est 5 rouges. Il ne me reste plus qu'un bonhomme. Et euh, normalement, j'ai validé ça sans m'en rendre compte. Hein, parce que j'ai 9 bonhommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ouais, j'ai 9 bonhommes sur 4 cases, donc je peux le prendre. Et je débloque une nouvelle amélioration qui fait que je récupère une étoile et maintenant je peux faire des déploiements spéciaux sur du jaune. Bien, il me reste un bonhomme. L'inconvénient c'est que j'ai plus de plus en moins un. Je peux aller le mettre sur du bleu et je peux aller le mettre sur du rouge. Donc franchement, j'ai de fortes chances de, le, de gagner à ce tour-ci. Sachant que si je ne gagne pas maintenant, je gagne sur les barbares. Ah non, peut-être pas. Ah non, sur les barbares, je gagne. Enfin, je gagne sur les barbares, mais je ne gagne pas juste après parce que je pioche une, deux. 3, 4, 5, 6, 6, moins 4, 2. Ouais, donc je repioche de bonhomme. Mais bon, dans tous les cas, je devrais gagner au début de la quatrième année. Mais si je peux gagner maintenant, ça serait formidable. Euh... Non, je crois que je ne gagnerai pas. Qu'est-ce qu'il défausse Il défausse un rouge. Et ça, le plus bas. Ha Je gagne pas là. Sauf si j'ai un déploiement parfait. Euh, le 4 rouge. Non, parce qu'avec du jaune, je peux pas faire un déploiement militaire. D'ailleurs, il n'y a pas le bonus. Normalement, sur les plateaux habituels, il y, y a ça avec le rouge. OK. Hum, je ne gagne pas, non Ah Je suis un peu deg. Si, 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 si. Je gagne. Je prends le 5. Je ne vais pas faire le bonus. Je m'en fiche. Je prends le 5. Et je, fais le fa je vais faire le bonus d'amélioration qui fait que je me mets là. Hop Je peux faire un bonus... Expédition et un déploiement où je veux, bah je fais le déploiement ici, je pime où je veux, hein, gris, j'ai plus de meeple, j'ai gagné à la fin de la troisième année. C'était une belle victoire, une belle vengeance sur cette partie samedi dernier, enfin du coup samedi dernier, mais je sais pas quand la vidéo va sortir, hein, où j'ai fini avec 27 meeple. 27 meeple, c'est une partie euh, vraiment euh, merdique, alors que bah, finalement voilà, c'est facile de jouer, c'est facile de gagner. Il suffit d'être un petit peu concentré. Bon ben bah voilà, en tout cas, on se retrouve sur euh, mon avis qui sera assez rapide parce que mon avis n'a pas changé par rapport à ma vidéo euh, de la sortie du jeu et que cette extension, bah, on va parler sur, ouais, on va parler surtout de l'extension. Allez, on n'en dit pas plus. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Ha Je dois retourner mon avis parce que j'avais mal appuyé sur le bouton enregistrer. Du coup, euh, Discordia. Normalement, si euh, j'ai pas fait de bêtises dans les règles, ben, c'est une victoire. Et finalement, j'ai refait pas mal de parties depuis cette vidéo, et euh, du coup, j'en suis à une quarantaine en tout, et je suis maintenant à un taux de victoire entre une partie sur 3 et une partie sur deux, ben, peut-être plus une partie sur deux parce que ben, j'ai la petite technique, etc. Et ce qui va jouer sur ma victoire, c'est un peu le hasard. On va y revenir. Moi, Discordia, le jeu de base, c'est euh, un coup de cœur. Je lui avais pas mis de Zogmanor parce qu'à l'époque, ça n'existait pas sur la chaîne, mais ça aurait été un Zogmanor. Il était dans mon top des jeux sortis en 2023. Et j'aime beaucoup ce jeu parce que et ben, cette mécanique de devoir se vider de tous les meeples, je trouve ça super intéressant. Et puis, il euh, ben, y a cette petite mécanique de... Cette petite réflexion de est-ce que ça vaut le coup que j'achète cette huile là parce qu'elle va à trois, trois cases vides, mais si j'arrive pas à les remplir, ça veut dire que je vais récupérer trois meeples à la fin du tour. Donc il vaut mieux réfléchir à ce que je fais et peut-être faire une action qui paraît peut-être un peu moins bonne à l'instant T, mais qui sera plus rentable à la fin de la manche. En parallèle, on a une grosse, 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 grosse mécanique de combo qui fait que bah, déjà avec la couleur des dés, on peut faire des déploiements spéciaux. Si, euh, si le dé est au même endroit que le petit bateau, il y a un petit bonus de plus. Et puis en plus, souvent, on va aller faire un coup de pelle qui nous débloque un privilège parce que c'est le quatrième ou le sixième. Ce privilège nous permet d'augmenter sur les explorations. Cette exploration nous permet de remettre un coup de pioche qui fait que maintenant, on a validé tel décret qui fait que, bam, bref, vous avez compris, il y a du combo, du combo, du combo. Et beaucoup plus en solo qu'en multijoueur, parce qu'en solo, finalement, Janus, il est bien gentil, mais il va assez peu vous enquiquiner sur les privilèges et sur les décrets, un peu mais pas toujours. Il va plus vous défaussez le, le, le marché entre guillemets. Et donc bah vous avez vraiment la vue sur tout ce qu'on peut faire pour comboter. Et donc ça va vraiment être un puzzle game. Comment essayer de tuk -tuk -tuk -tuk, tout comboter le plus possible là. Ou en multijoueur, et ben on va tous faire à peu près la même chose. Mais du coup on va tous un peu s'embêter parce qu'on va se prendre tel privilège, tel machin. Du coup on n'ira pas jusqu'au bout totalement de nos combos. Du coup en multijoueur, bah on casse cette sensation de combo. Alors, du coup, j'ai fait qu'une partie, puis elle n'était pas bonne. Donc, probablement que ça casse un peu mon avis sur le jeu. Mais bah, en solo, vous avez vraiment un peu libre accès et vous optimisez euh, dès le départ ce que vous souhaitez faire et vous y allez. Euh, finalement, là où ça va jouer et qui va faire que vous n'avez pas gagner 100% de vos parties, c'est parce qu'il y a du lancer de dés et que Janus va quand même retirer un dés à chaque fois. Et donc, bah, euh, si vous n'avez pas de chance, vous avez besoin à tout prix de dés rouges parce que vous avez un peu tout misé sur le rouge. Bah, Peut-être que bah, finalement si vous défaussez à chaque fois le, le, le rouge, alors n'est pas possible parce qu'il y a une répartition dans les tuiles, mais vous pouvez avoir cette impression que quand il vous faut le rouge, Janus vous défausse le rouge, et bah vous serez un peu coincé, mais sinon il y a une stratégie un petit, un petit peu optimale qui marche bien. Comme il y a une stratégie un petit peu optimale qui marche bien, clairement on pourrait se dire que la rejouabilité n'est pas énorme, on va avoir tendance à faire toujours un peu la même chose. Et du coup, on va vite s'enlacer. Bah, ben ça, je peux tout à fait l'entendre. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement cette sensation de combo et cette sensation de. Ah, tant pis, j'ai perdu, il me restait 3 meeples, je refais une vite fait, la prochaine, je gagne. Et donc, c'est ça qui me motive à relancer, 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 même si c'est finalement à chaque fois un peu la même stratégie. Il y a toujours la petite réflexion qui me dit Bon, quel tuile il faut que j'achète Quelle action je choisis maintenant Est-ce que c'est le moment de faire un déploiement militaire ou quand même de donner un coup de pelle, etc. Donc. Moi j'aime beaucoup, je trouve ce jeu ultra addictif. Ça peut ne pas plaire à tout le monde et certains vont faire 2-3 parties, ils vont avoir l'impression d'avoir fait le tour. C'est carrément le cas, mais moi il y a un petit goût de reviens-y. Du coup on pourrait se dire que cette extension Discordia Magna, eh ben, elle a tout son intérêt puisque eh ben, finalement elle propose 6 plateaux asymétriques, donc 6 répartitions différentes des différents bonus, des améliorations, des explorations, des tuiles du terrain, des bonus euh, de décret. Donc on peut se dire que c'est clairement l'ami du joueur solo, ça va permettre de créer d'autres stratégies, d'autres manières de jouer. Euh, clairement, c'est euh, des étoiles, euh, de la poussière aux yeux, euh, des étoiles dans les yeux, bref, on s'en fiche. Parce que là, j'ai joué cette partie, comme je joue toutes mes autres parties avec les autres plateaux, avec le plateau de base, on pourrait voir que grâce à ça, on a 7 manières de jouer différentes, bah pas du tout Ok, ça va changer un peu les petits bonus. On ne va pas faire la même chose dans tous les ors. Là, dans, dans le plateau que j'ai joué, je crois qu'il n'y avait pas de, le, le bonus d'amélioration où on peut faire des déploiements spéciaux sur le, le militaire, même si ce n'est pas le bon dé. Donc, ça peut changer un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Clairement, j'ai eu l'impression de faire une partie comme les autres. Et du coup, je ne me rappelle même plus des bonus qu'il y avait dessus, tellement c'était une partie comme les autres. Donc, si vous êtes un joueur uniquement solo. Clairement pour moi il n'y a aucun intérêt d'acheter. Euh, cette extension, c'est un peu de l'artifice, ça va pas grancher, ça ne va pas changer grand chose à, à vos parties. Par contre, euh, ça s'appelle Discordia Magna et pas Discordia Plateau Asymétrique. Il y a quand même un module magna. Pour les joueurs solo, bah, ce n'est pas jouable, donc encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que pour du joueur solo, cette extension, bah, c'est même pas de Zogma, hein, elle n'apporte rien finalement de très intéressant, même ces plateaux asymétriques ne sont pas intéressants. Par contre, eh ben, le module magna propose un truc assez intéressant. C'est que dans un jeu où on est compétitif, une course, chacun pour sa gueule, eh ben, il va y avoir des objectifs un peu coopératifs, des tuiles tirées euh, aléatoirement avec un, un malus magna en dessous. Si à la fin de la saison, il n'y a pas de meeple sur ces tuiles, eh ben, chaque joueur va subir le malus présent sur la tuile. Donc. Ben, il va bien falloir que quelqu'un se dévoue, il va falloir un peu discuter, un peu coopérer. Euh, Peut-être qu'au contraire, vous, ça vous embêtera pas du tout ce malus parce que vous aurez une stratégie qui va un peu dans un autre sens, etc. Donc ce petit module Magna, même si j'y ai du coup jamais joué, peut être assez intéressant et peut rajouter une petite sensation un peu différente. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas Je ne sais pas, mais clairement, cette extension, c'est pour du multijoueur. Voilà, j'ai été assez rapide parce que du coup c'est une deuxième fois que je tourne la vidéo et que euh, j'avais pas prévu et c'est toujours un petit peu saoulant mais bah, clairement moi Discordia c'est un Zogmador c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein, il fait partie du top 10 des jeux que j'ai le plus joué parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où j'ai plus de 40 parties, surtout quand c'est pas des Roll and Write Et euh, donc pour moi Zogmador pour Discordia de base. J'ai peut-être été un peu rapide dans l'explication directe de ma manière de jouer, etc. Parce que pour moi, c'était fluide. Mais donc, n'hésitez pas, en complément, à aller voir ma première vidéo si jamais, euh, c'était pas assez clair. Là, je pense, elle a eu de bons bon retours. Donc, j'imagine que c'était assez fluide dans les explications. Sinon, bah, cette extension, qui est trouvable uniquement sur le site d'Iron Game, donc euh, peut-être sur Philibert sinon, mais elle sera jamais trouvable en boutique, bah, intéressez-y vous. Je crois que c'est bon. Uniquement pour du multijoueur, pour le solo finalement, ça va pas changer grand chose d'avoir des plateaux asymétriques. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez Discordia, est-ce que vous y avez joué ou pas. Je pense que le jeu est toujours disponible d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, commenter. Si vous voulez me soutenir, il y a un petit lien affilié Ludum. Quoi que vous achetiez, je récupère un petit pourcentage et ça permet bah, de racheter d'autres jeux pour la chaîne, etc. Donc n'hésitez pas à euh, cliquer dessus, ça me fait plaisir. Merci à vous pour ceux qui le, le font. Hein. C'est toujours, euh, toujours cool, même si, je, même si vous êtes de, de parfaits anonymes parce que je ne sais pas qui clique sur le lien, mais merci beaucoup. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.